Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais évoquer la question suivante avec vous. Qu'est-ce que les prélèvements sociaux et quel rôle ont-ils en assurance vie? Eh bien, les prélèvements sociaux, ce sont les prélèvements qui sont effectués par l'administration fiscale, en plus de l'impôt sur le revenu, pour les rachats en cas de survie. Alors quels sont-ils? Ils sont de trois natures. C'est la CSG, la contribution sociale généralisée. La CRDS, c'est la contribution sociale pour le remboursement de la dette sociale. Donc en fait, en gros, c'est ce qu'on paye pour aider l'État à rembourser la dette que l'État français a. Et ce sont des prélèvements de solidarité multiples. Alors la CSG représente 9,2%, la CRDS 0,5%, les prélèvements de solidarité 7,5%. Et donc les prélèvements sociaux en totalité sont égaux à 17,2%. Ces prélèvements sociaux en fait vont en fait venir augmenter l'impôt sur le revenu. Depuis Macron, on a une flat tax, et cette flat tax est en gros égale à 12,8%. Ce qui fait que quand on souhaite racheter un nouveau contrat, la flat tax est à 30%, 12,8% d'IR, 10% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Tout simplement.